Bonjour à tous, enfin plutôt bon dia, voire hola pour les intimes. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à l'extrême sud-ouest de l'Europe. Alors, bienvenue au Cap Saint-Vincent, bienvenue en Algarve, bienvenue au Portugal pour ces nouvelles échappées belles. J'ai très envie de vous montrer un Portugal entre tourisme de masse et réserves naturelles. Tout à l'heure, j'irai rejoindre le parc naturel de Ria Formosa, mais pour l'instant, je suis très curieuse de savoir s'il y a un gardien dans le phare du Cap Saint-Vincent. On va aller voir ça. Bonjour. Sophie, Sintra. Je cherche le gardien de phare, c'est vous? Oui, oui, je suis le gardien du phare. D'accord. Nous sommes une équipe de 5 personnes et je suis le chef qui dirige cette équipe. Alors vous êtes sûrement très occupé, mais est-ce que vous auriez un petit peu de temps pour me faire visiter? Oui, on peut visiter. Alors je vous suis. Il y a plein de souvenirs là, ici. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est comme un livre d'or. Tous les gardiens écrivent quelques lignes pour laisser une trace de leur passage. C'est un phare très important et symbolique, qui a une position stratégique pour toute la navigation. Et pourquoi il a été créé particulièrement ici, ce phare? Quelle est son histoire? Au départ, c'était un couvent. Et puis, en raison des nombreux bateaux qui s'échouaient, ils ont commencé à faire du feu pour signaler les rochers, pour signaler le cap. C'est à partir de là que le phare est né. Comment s'organise la vie dans le phare? Qui vit ici aujourd'hui? Comme une vie normale. Les familles des 5 gardiens vivent dans l'enceinte du phare. Pendant la semaine, nous travaillons en équipe. Et le week-end, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que lorsque vous êtes seul, le soir, dans le phare, et que vous regardez la mer, est-ce que c'est un moment particulier? Ça fait 29 ans que je travaille dans les phares. Je ne suis plus vraiment étonné par ces paysages. Mais j'apprécie toujours de regarder la mer. Est-ce que c'est d'ici que s'élançaient les grands navigateurs portugais? Non, ce n'est pas vraiment d'ici, mais de la forteresse de Sagres, qui est à plus de 6 km. Là-bas, il y avait une école de navigation, et c'est de là qu'ils partaient dans le monde entier. En 1498, de retour au pays après avoir ouvert la route maritime vers les Indes, Vasco de Gama proclame « Nous sommes le peuple de la mer ». À cette époque, ces nouveaux découvreurs venaient de faire du Portugal le premier pays de marins au monde. La caravelle Bonne Espérance est une réplique des caravelles antiques de l'époque des grandes découvertes portugaises. Nous sommes fiers de naviguer sur ce bateau et d'y inviter les touristes. Souvent, nous nous sentons même comme les anciens navigateurs, ceux des grandes découvertes. À bord de ces embarcations, les Portugais ont reconnu les côtes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. À l'écart des principales routes marchandes et coincé entre la toute-puissante Espagne et l'océan, le Portugal n'avait d'autre issue que le large pour réaliser son expansion. C'est donc de l'autre côté des mers qu'il partit chercher l'or et les épices,
et son empire maritime fut l'un des plus importants de l'époque. Alors Alphonse, t'as déjà sorti les vieilles cartes? Eh oui. Regarde, sur celle-là, on peut déjà voir la représentation du Nouveau Monde. On pense que cette carte est l'une des toutes premières cartographies portugaises. Et cela a été extrêmement important pour les sciences modernes comme pour la philosophie. Toutes ces richesses et découvertes portugaises qu'ils nous ont transmises à travers la cartographie et la navigation. Si aujourd'hui l'Empire maritime du Portugal n'est plus qu'un souvenir, des hommes ont néanmoins continué à consacrer leur vie à la mer et les chalutiers sont venus remplacer les caravelles. Mais la pêche qui avait pris des allures d'industrie, avec des thons et des sardines pêchées en grande quantité, est devenue de moins en moins rentable. Le Portugal est un pays de pêcheurs. Ça fait longtemps que l'on pêche dans nos eaux, mais c'est une activité qui est en train de mourir. Quand j'ai commencé, il y a quelques années, il y avait une bonne quinzaine de bateaux. Aujourd'hui, il n'en reste que 6 ou 7 à tout casser. Le poisson, c'est compliqué, car les prix sont élevés et les gens n'ont plus les moyens d'en acheter. Le poisson, il y en a, mais il n'y a plus d'argent. C'est très compliqué de vivre de la mer. La relation privilégiée des Portugais avec la mer serait-elle en train de s'estomper doucement? Certains ont pourtant trouvé le moyen de continuer à vivre de la mer en se tournant vers le tourisme. Ancien pêcheur, Luis est l'exemple même de cette reconversion réussie. L'activité du tourisme marche bien, et même très bien. C'est pour cela que j'ai investi dans ce nouveau bateau, qui est un bateau solaire, écologique, et très intéressant pour moi comme pour les clients. Luis a aussi conservé son ancien petit bateau de pêche. Et c'est à bord de celui-ci qu'il aime particulièrement transporter ses clients. Il y a beaucoup de touristes qui nous demandent de les déposer sur une île, puis de venir les récupérer un peu plus tard. La mer, pour moi, représente tout. J'ai ça dans le sang comme tous les Portugais. Pour moi, la mer est infinie. Pour moi, la mer, c'est tout. C'est ma vie. Je suis arrivé ici il y a 3 ans. Quand je me suis installé au Portugal, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller me promener le long de ces falaises. C'est complètement unique. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment très beau. Il y a des grottes, hein, on dirait, creusées dans la falaise. Toute cette partie de la côte à Lagos est vraiment spéciale. Au fil des ans, les grottes et les roches ont été creusées par l'eau, mais aussi par l'érosion, le vent, les courants marins. Et le résultat, eh bien, tu peux le voir, ça a littéralement sculpté la roche.
c'est vraiment simple hein, d'accéder dans ces endroits-là. On peut venir en bateau, mais je trouve le kayak plus agréable. Et en plus, c'est totalement écologique. Et tu organises beaucoup d'excursions comme ça, en groupe, là, comme aujourd'hui? On accepte des gens de n'importe quel âge et de n'importe quel niveau. On veut que ça reste vraiment relax. Non, parce que c'est vrai que c'est assez simple hein, quand même, le kayak de mer. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Oui, on n'est pas en train de s'entraîner pour les JO. Surtout quand on est deux, comme ça moi je peux me reposer, c'est toi qui pagaies. Ouais, c'était super. Ouais, vraiment très très bien. On se sent libre avec le kayak de mer, on a l'impression qu'on peut aller partout. C'est vraiment un très très bon moyen de découvrir la côte. La côte est protégée. On n'a pas le droit de construire là où vous êtes allé à l'instant. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans le tourisme. Le Portugal a toujours été un pays d'accueil pour les étrangers. Depuis les années 60, on a vu arriver une forte proportion d'Anglais. Et puis il y a beaucoup d'Allemands. Les Portugais et les Français ont de très bonnes relations depuis longtemps. Et comme tu dois le savoir, il y a beaucoup de Portugais en France, et inversement. Ici, on est dans un endroit un petit peu particulier, sur l'Atlantique et pas très très loin de la Méditerranée. La Méditerranée part du détroit de Gibraltar, donc quand le vent souffle, il amène des courants chauds. Alors que si tu vas sur l'autre côte, qui est la part la plus à l'ouest de l'Europe, la température de l'eau chute énormément. Si ici elle est de 23-24 degrés, elle sera de 17 degrés là-bas. Merci pour cette belle balade. Oh, je t'en prie, je suis ravi que ça t'ait plu. Festival international de sculpture sur sable. J'y vais. Disculpe. Bon dia. Bon dia. Come on. Seca. Sophie. Seca. Salut, Seca. Seca. Salut, Seca. Salut. This is voici one l'outil le plus important. D'accord. Et celui-là aussi. D'accord. You know. Okay. And you need water too. Oh. This is the sans eau, no water, pas de sculpture. Yeah. Pression et on y va. Look. Ah ouais, d'accord, ça t'a découpé le sable. Ah, très bien. Ça fait longtemps, toi, que tu fais ça? Depuis 6 ans. Je ne suis pas l'un des meilleurs, mais j'ai beaucoup appris des grands artistes qu'il y a ici. Parce qu'il y a des gens du monde entier. Et ça reste ici combien de temps? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc ça peut rester comme ça 6 mois? Tu fais des sculptures, mais pendant l'été, certaines ont besoin d'être réparées parce que le vent enlève du sable.
juste par petites touches. Alors c'est un festival international. C'est quoi le thème là cette année? C'est la biodiversité. Animaux, plantes, ce genre de choses. Célébré pour la beauté de ses plages aux eaux turquoises, entourées de magnifiques falaises ocre, l'Algarve possède un fort pouvoir attractif, renforcé par un atout majeur, son ensoleillement exceptionnel. Nous sommes des Belges. On est venu ici en Portugal pour le beau temps. Ici, c'est très agréable avec la mer, les roches, le soleil. Et, on aime un peu le climat. Ça fait très bien ici. Chaque année, ils sont plusieurs millions de touristes à envahir les côtes de l'Algarve, la région la plus fréquentée du Portugal. Un peuple migrateur avide d'hôtels, les pieds dans l'eau. Et si Praia da Rocha, la plus grande plage d'Algarve, est devenue une station balnéaire réputée, c'est aussi l'une des plus construites. Nous avons un lobbying immobilier très fort. Il y a de nombreux resorts qui sont construits dans des zones qui sont protégées ou semi-protégées. Aujourd'hui, heureusement, les mentalités commencent à changer. Mais c'est long et nous essayons de sauvegarder, de faire au mieux. Heureusement, pour l'instant, tout ne ressemble pas à Praia da Rocha. Et sur le front de la conquête immobilière, il existe encore quelques plages épargnées. Beaucoup de gens recherchent le confort, et donc il y a beaucoup d'immeubles sur les côtes. Mais d'autres sont encore comme ça, simplement fantastiques. Trouver l'équilibre entre nature et tourisme est le véritable défi à venir pour le littoral de l'Algarve. Anglais, Irlandais ou Allemands, ils sont néanmoins nombreux à être tombés sous son charme. Et certains d'entre eux ont même décidé de s'y installer durablement, voire définitivement. Venu de Hollande, Ar a choisi l'arrière-pays pour poser ses valises et ses sculptures. Nous aimons la nature sauvage et vous pouvez voir ici, tout autour, c'est vraiment sauvage. Nous aimons le climat, nous aimons les gens et c'est pour cela que nous résidons ici. Et l'une des meilleures choses, c'est qu'il y a un peu de vent tous les jours. Et comme ça, mes sculptures peuvent bouger avec le vent. L'Algarve est internationale car ici vivent des Allemands, des Anglais, des Français. Donc oui, c'est vraiment international. Ce soir, je pense qu'il y aura aussi 5 ou 6 Portugais au dîner. Et c'est bien. Voici Yvonne et son mari, ce sont des amis allemands. Bonsoir. Bonsoir. Everything okay? Tout bien. Tout bien. What are you doing? Je vous présente Carmen. Hello. Elle est portugaise. En fait, je suis portugaise et canadienne. J'ai la double nationalité. Je pense que les étrangers qui ont choisi de vivre au Portugal, essentiellement des Hollandais, des Allemands et des Anglais, est une chose positive pour le pays. Et c'est très intéressant de rencontrer ces personnes qui vivent ici, découvrir leur culture et leur faire partager la nôtre. L'intégration ici, je pense que c'est comme partout. Si vous restez chez vous, il ne se passera rien. Vous devez sortir et rencontrer les autres, et là, vous trouverez des gens très amicaux et très accueillants. Thank you.
rua moral, a cantada e recantada marinhas. E quando é meu espanto, ali vejo por encanto, através das janelas tabuinhas. Corri, bati à porta e até fica quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Mas quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinha. Pinguinhas, pois agora passou tudo ao tempo antigo na casa da Mariquinha. Falda, c'est vraiment gentil à toi de m'accompagner ici dans les rues d'Albufera parce que... Je vous remercie. Non, c'est moi. Parce que quand tu ne chantes pas le fado, tu as quand même le temps de profiter un petit peu de ton pays. J'en ai besoin, ouais, parce que c'est comme ça que je m'inspire aussi. Je trouve aussi des choses à chanter. C'est les gens qui me font apprendre un peu sur mon pays aussi. Ouais. Alors, c'est passionnant. Est-ce que le fado, on peut dire que c'est vraiment l'âme du Portugal? Le plus fort à ce moment, oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a une vingtaine de jeunes qui chantent et qui font cette idée du fado comme référence du pays. Et c'est très fort et c'est beau aussi. Le chanter, c'est vraiment... C'est très spécial parce qu'il y a des moments où on continue à être humain et les émotions qui nous traversent, elles peuvent des fois être trop. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu entres dans une sorte de... On peut parler de transe un petit peu? Oui, ouais. Des fois, mais surtout c'est une façon de faire face à les choses qui nous arrivent sans pouvoir s'enfuir. Mmh. Et alors il y a des moments où on est face à nos plus grands peurs, à nos doutes, et c'est très beau en même temps. Et le public il sent ça. Quelqu'un au long des maroutes. Hola! Hola! Bon dia! Bon dia. Disculpe, onde è mon chic? Mon chic? Mon chic? C'est tout droit. D'accord, c'est par là? À gauche, puis à droite. D'accord, donc en fait je commence à toujours tout droit. Mon chic. Qu'est-ce que vous ramassez? Ah, c'est de l'arbouze, vous connaissez? Oui. Et vous en vivez de l'arbouze? C'est votre métier? Non, je fais de la récolte de citrons, de pommes de terre, tout ce qui concerne l'agriculture. Et il y a beaucoup de personnes ici qui vivent de la production de l'arbouze? Oui, il y a quelques personnes qui se sont spécialisées dans l'arbouze. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec ça? De l'eau de vie d'arbouze. Mais maintenant, je vais aller déjeuner, c'est l'heure. Si vous voulez voir la distillerie, on peut y aller. Vous m'emmenez et en échange, bah, je vous invite. Je vous emmène. Ah, ok. Regarde. Hola. Minha esposa, Helena. Ah, bonjour. Hola, bonjour. Bonjour, Helena. On s'embrasse? Ça va bien? Vous parlez français? Un petit peu.
Ah ben voilà. Bonjour tout le monde. Déjeuner avec nous. Bonjour. José, un ami. Hola. Bonjour les enfants. Mon fils Francisco. Ouais. Et mon fils João. Eh ben ils sont beaux tes enfants. Hein. S'il vous plaît. Ah ben merci, c'est gentil. Je m'invite. Hein. C'est Paolo qui m'a dit de venir déjeuner avec vous. C'est une jolie table. Ça on. Tout produit typique. Ce sont des produits typiques de Manchique, faits à base de porc. Celui-ci s'appelle asadura de Manchique. C'est de la viande de porc grillée, assaisonnée avec de l'huile d'olive et du citron. Et là, ce sont des enchidos. Ils sont faits avec du riz, de la viande de porc et du sang. Et il y a une cuisine vraiment typique de Manchique. L'Algarve est plus connu pour les poissons et la pêche, alors qu'ici, à Manchique, qui est dans les montagnes, c'est surtout de la viande de porc. Tu me conseilles de commencer par quoi, alors? Peut-être ça. Peut-être ça? C'est le plus original. D'accord. Je vais goûter ça, alors. Mm-hmm. Bon appétit. Comment on dit en portugais, bon appétit? Bon appétit. Bon appétit. Comme ça, tout le monde se comprend. Au Portugal, on aime cuisiner avec des produits frais. Et bien souvent, le plus petit marché de village propose un énorme choix de fruits et de légumes. Je vais prendre celui-là. Et une branquinha. Et aussi la petite blanche, là. Oui, celle-là, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de verts, mais ces deux-là, ça ira. Aujourd'hui, je vais préparer un déjeuner avec de la morue, des pois chiches, des pommes de terre, des œufs durs et du chou-fleur. Un dicton prétend que les Portugais vivent de rêve et se nourrissent de morue salée. La morue est le plat national des Portugais et ils disent connaître autant de manières différentes de la préparer qu'il y a de jours dans l'année. Les recettes de morue sont variées et il y a des recettes propres à chaque région. Par contre, cette préparation de morue est une recette connue de tous les Portugais, du nord au sud. C'est l'une des plus simples et des plus anciennes. Et dans toutes les familles, on connaît ce plat. C'est très bon assaisonné comme ça, avec de l'ail, de l'oignon et du persil. C'est à la vraie façon portugaise. C'est très courant de manger de la morue ici. Si la morue est le plat national du Portugal, chaque région a ses propres spécialités. C'est dans les petits restaurants de la côte que l'on trouve une marmite insolite qui a donné son nom au plat qu'elle mijote. La cataplana est un plat incontournable de l'Algarve. Dans la cataplana, on peut cuisiner les fruits de mer, les poissons. Toutes sortes de nourritures peuvent être cuisinées dans la cataplana. Mais ici, en Algarve, la plus traditionnelle est celle à base de fruits de mer. C'est très particulier car elle est chauffée par en dessous. Mais comme la cataplana est fermée, cela crée une pression à l'intérieur qui donne un goût spécial aux fruits de mer. Le meilleur de la cuisine du Portugal est souvent populaire et décline toutes les influences de ses provinces. Mais il existe aussi une vraie gastronomie. Non loin d'Albufeira, dans le restaurant Vila Joia, 2 étoiles au Michelin, le chef polonais Dieter Kocina mélange les influences. Pour moi, la cuisine, c'est travailler avec des produits frais et faire une combinaison entre la cuisine traditionnelle portugaise et de nouvelles idées. Essayer de nouvelles saveurs un peu plus légères, un peu plus fines. Ici, les fruits de mer et les poissons font partie des meilleurs d'Europe, du monde.
Et tous les jours, nous en avons des frais. Ça, c'est un plat préparé avec du poisson, combiné avec des cèpes, eux-mêmes cuisinés au persil, plus d'autres cèpes crus. Avec une sauce chaude au bouillon de poisson, légère, un petit peu de Porto. Et pour finir, un petit roulé de jambon fumé, pata negra. Et voilà un plat méditerranéen qui mélange la terre et la mer. Que peut-on demander de plus ? La cuisine portugaise aime les produits à la fraîcheur et au goût sans égal. Et elle sait être à la fois captivante et surprenante. Ça, c'est une liqueur, hein? Si. Ouais. Et toi, t'as quoi? Aguardente. C'est de l'eau de vie. Une eau de vie. Ah oui, c'est fort. Mais c'est pas mauvais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Faut pas trop en abuser quand même. Alors, c'est toi? C'est toi qui la fabrique? Oui, ouais, c'est une entreprise familiale. Je viens ici depuis que je suis tout petit. La propriété est à ma marraine. Elle a été construite à sa naissance, il y a 87 ans. Il te faut combien de kilos de fruits pour faire un litre d'eau de vie à peu près? Entre 10 et 15 kilos. Chaque année, on produit jusqu'à 2000 litres de liqueur d'arbousier et d'eau de vie. On est considéré comme une petite distillerie. Et nos produits sont naturels et sans additifs. Ça sent un peu comme du miel. Un peu comme du miel, citron et cannelle. Voilà, c'est ça. Juste pour sentir, je tiens. Ah oui, c'est beaucoup plus fort, ouais. C'est une eau de vie très fruitée, très riche en saveur. Sa caractéristique, c'est qu'elle se boit trop facilement. Pas trop en boire. Alors, ça fait combien en alcool? La liqueur, ça fait 23 degrés, mais l'eau de vie, c'est 50 degrés. Là, on est dans l'atelier de mon ami Léonel. Comme tu peux le voir, il y a des tas de choses intéressantes. Ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Il est juste là, en train de travailler. D'accord, il a un atelier juste derrière. Ouais. Tu y vas? Tu t'en vas? Oh, écoute, je suis très heureuse de t'avoir rencontré, en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Obrigado. Obrigado. Salut. Hola, bon dia. C'est Paolo qui m'envoie. Vous êtes Léonel? Oui. Je peux m'asseoir? Je peux m'asseoir. Quelle terre vous utilisez? C'est du grès. C'est une pâte qu'on fait une cuisson à 1200 grès. Et puis, je fais la peinture et on fait une cuisson à 1200. Ça fait longtemps que vous avez la passion pour la céramique? J'ai commencé il y a 20 ans. Moi, j'ai une image de céramique blanche avec des peintures bleues. C'est un peu ça? Oui, c'est le traditionnel. Ça, c'est ça. Alors, vous avez commencé par ça ou pas? J'ai commencé par ça et maintenant, je fais des couleurs que je mets, c'est le moderne. D'accord. Ça fait bien. Oui. Je vais montrer comment je fais la peinture. Ah oui. Céramique desenvolveu-se
La tradition céramique date du XVIIe siècle. À l'époque, les seules couleurs étaient le blanc et le bleu. Au XIXe siècle, Rafael Burdal Pinheiro, un célèbre céramiste portugais, a introduit de nouveaux modèles avec plus de couleurs. Et ici, à Monchique, qu'il y a une tradition de la céramique ou pas? Oui, on en voit partout et sur les monuments, comme les grands palais ou les églises. Qu'est-ce que vous aimez, vous, le plus dans le travail de la céramique? Je suis né à la campagne et le contact avec la terre, j'aime bien. Ici, je travaille la terre et je fais les plantes. Quand vous n'êtes pas dans votre atelier, vous êtes dans votre jardin, oui, c'est ça? Oui, toujours c'est la terre. Ça, toujours la terre. Je vais vous montrer comme je fais le gazoulage traditionnel. Avec plaisir. Oui, je viens voir ça. Alors, vous partez d'une céramique blanche. Oui. Et je vais travailler en bleu. Avec du bleu. Je fais des raisins. D'accord. C'est un peu en hommage aux viticulteurs de la région. Oui. Oui. La fin du mois d'août marque le début des vendanges dans le sud du Portugal. L'Algarve, qui avait vu la quasi-totalité de ses vignobles disparaître au profit de la nouvelle industrie du tourisme, renoue enfin avec son passé viticole. Les vignes sont de retour, souvent grâce à l'impulsion de quelques étrangers passionnés de vin. Patrick Agostini est l'un d'eux. Ici, ces vignes que nous sommes en train de vendanger, il y a 8 ans, ça n'existait pas. Tout ce qu'on voit ici, ça a été créé de toutes pièces par nous. Pour l'instant, on a de très très bons résultats, on est très contents. Voilà, donc là, on est, par exemple, on est sur du raisin fantastique. Hein. J'avais pas trop notion de pouvoir, sur des jeunes vignes comme ça, atteindre une telle qualité de raisin rapidement. Donc, grande satisfaction. Très peu de temps. Quoi. En plus, bon, les premiers vins avec ces raisins montrent que on est sur du très qualitatif. Quoi. Il y a 8 ans, le terrain acheté par Patrick n'était qu'une vaste colline couverte de maquis. Il a fallu défricher, préparer les sols, puis planter les vignes. Et puis aussi construire la maison familiale au milieu du domaine. Les voisins nous ont tout de suite traités de fous furieux, quoi. Donc, ce qui est normal, parce que c'était quand même prendre une colline, faire un vignoble, qui plus est avec notre maison d'habitation au milieu. Donc, c'est vrai qu'on nous a pris un peu pour des fous au départ, quoi. C'est pour Fatima, sa femme portugaise, que Patrick avait choisi de venir exercer sa profession de médecin en Algarve. Rattrapé par le virus du vin, c'est finalement toute la famille qui l'a entraîné dans cette aventure. Au départ, j'ai épousé un médecin, puis petit à petit, il est devenu agriculteur, mais je ne m'attendais pas du tout à cette surprise. Mais bon, je crois qu'il a accompli quand même une grosse partie de son rêve, mais il table toujours plus haut et veut réussir encore plus à être reconnu davantage dans le monde, quoi. C'est un rêve et bon, on va voir si ça se concrétise. Le rêve, c'était pas faire du vin, c'était faire un grand vin. Tout le monde sait faire du vin, c'est pas le problème. Le problème, c'est faire des grands vins. Et qu'est-ce que c'est un grand vin ? C'est un vin très bon sur de très nombreuses années, quoi. Mais bon, on est des bébés dans le vin, quoi. Donc il faut être calme, il faut rester calme. C'est dans sa toute nouvelle cave, aux couleurs de l'Algarve, que Patrick fabrique son vin. Un processus de vinification qu'il faut surveiller sans cesse. Le travail de la vigne est exigeant et Patrick n'a jamais baissé les bras. Sa récompense ne s'est pas fait attendre. Dès la première récolte, son raisin a été d'une qualité exceptionnelle.
Quand on a planté les vignes, on ne pensait pas que ça serait si rapide, puisque ce sont des terrains où les vignes s'enracinent très très lentement, et on ne pensait pas que le vin aurait cette qualité si rapidement, quoi. On pense qu'on est sur la bonne pente ascendante, puisque 2006, 2007, 2008, chaque année, on est classé meilleur que l'année d'avant, donc on pense qu'on est sur la bonne voie. Médaillés à plusieurs reprises, les vins de la Quinta do Frances commencent à être respectés par la profession. Une véritable reconnaissance pour le jeune vigneron. Évidemment, j'éprouve quelques fiertés pour avoir créé ce vin, mais je ne pensais pas sincèrement que le vin serait accepté avec une si grande rapidité. Bien parti pour la création d'un grand vin, Patrick a réalisé une partie de son rêve. Il a déjà un nouveau projet en tête, créer une véritable route des vins en Algarve. La ferme du Français en deviendra sans doute l'une des étapes symboles. Salut Klaus! Allô Sophie! Ça va? Ouais, très bien. Je t'embrasse. T'as besoin d'aide? Yes. Dans tes plants de tomates? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah, we tie up the tomatoes. On attache les tomates comme ça. Like this. Ok. So they're pour qu'elles tiennent au bambou. All attached to the bamboo. D'accord. Ok. Et t'attaches ça avec des petits chiffons, je vois. These ones are for. Ces morceaux de tissu sont entièrement recyclables. Tissue. Ah. Et donc, non polluant. It doesn't make any pollution on the field. Et c'était un rêve pour toi de vivre comme ça? It's c'était vraiment un grand rêve de garder ma liberté aussi. Et c'était ton idée? Yes, oui, c'était mon idée. Mais c'était aussi celle de ma mère qui souhaitait me voir vivre ici, dans la nature. Salut les volontaires, on vient pour vous aider. C'est les filles qui travaillent ici. Oui, on ramasse des oignons, c'est ce qu'elles font. Mais les gens d'ici, ils comprennent ce que tu fais? Oui, bien sûr, ils comprennent. Les citadins viennent ici et ils apprécient de pouvoir manger sainement, des produits sans fertilisants, sans produits chimiques. Il faut éduquer les gens, leur apprendre à manger bio et à éviter d'utiliser tous les produits chimiques. Ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour retrouver une bonne santé. Salut, hello. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anna-Marie. Je suis bénévole ici et je travaille de 5 à 6 heures par jour. La ferme m'héberge et me nourrit gratuitement. Je suis étudiante et pour moi, c'est une bonne opportunité de découvrir le travail à la ferme, de rencontrer des gens et de découvrir les principes de l'agriculture bio. Allez, on va aller voir d'autres bénévoles à l'intérieur qui préparent le repas. Ça, c'est notre salle de bain et là, notre cuisine. Tu vis ici? Yes. Ouais. Ouais. C'est là où tous les woofers, les pensionnaires, se retrouvent pour manger. D'accord. C'est simple et rustique à la fois. Oui, c'est assez rustique. Tout est fait avec des matériaux de récupération.
Et comment tu fais? Tu as, il n'y a pas d'électricité ici pour l'eau? Comment ça se passe? Nous produisons notre propre électricité, l'eau chaude également. Dehors, nous avons un four solaire. D'accord. Donc au final, toute l'énergie vient du soleil. Comment ça fonctionne? Alors explique-moi, oui. Tous les rayons du soleil sont concentrés sur le centre. C'est mieux de mettre ses lunettes. On a juste à attendre 3 minutes que ça cuise, en remuant de temps en temps. Et quand les légumes sont cuits, on ajoute de la sauce tomate pour de bonnes pâtes et on mange. On a fabriqué ce four nous-mêmes, en recyclant cette vieille parabole satellite et en y collant ces petits miroirs. Ça va très très vite, hein, ça cuit vite. Oui, ça va très vite car la puissance est d'environ 5 kW. Il est vraiment très beau ton cheval. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jonas. Mm-hmm. On a dû le ramener avec sa mère depuis Carapatera, parce qu'il était si nerveux, si sauvage, que personne ne pouvait l'approcher. Après 3 années de dressage, il est devenu plus docile, et maintenant c'est un bon cheval, beaucoup plus calme. Il n'est pas à 100% de pure race portugaise, mais il en a le caractère. Dans de nombreuses villes et villages du sud du Portugal, on célèbre le cheval. Ici, on entretient avec cet animal une relation particulière. Le cheval a toujours été utilisé par les Portugais, et il est devenu au fil du temps le compagnon de tous les jours. Ici, tout le monde aime les chevaux. Le cheval, pour moi, représente beaucoup. Et depuis tout petit, je monte à cheval. Et j'aime beaucoup ça. Cette foire n'est pas une foire commerciale. Ce sont des amis qui ont leurs propres chevaux et qui viennent ici pour les montrer. Et ensuite, ils participent à un concours d'attelage. C'est une tradition très ancienne que nous essayons de maintenir. De tous les chevaux, celui qui fait le plus la fierté des Portugais, c'est le Lusitanien. Et c'est aux frontières de l'Algarve, dans la région de Ribatejo, que se trouve le berceau de cette race, réputée pour son excellence. Antonio est l'heureux propriétaire de l'un des plus importants élevages de la région. Il veille précieusement sur ses chevaux. La ferme Paul d'Avala fait à peu près 600 hectares. Ici, il y a les poulains de quelques années, mais aussi leur mère, les juments, bien sûr. Et tous ces chevaux ne sont que des Lusitaniens. Reconnu dans le monde entier, le cheval lusitanien est le vrai pur sang portugais. Issu de la race ibérique, il est devenu une référence. Et depuis 300 ans, les éleveurs n'ont eu de cesse d'améliorer sa lignée, en travaillant notamment sur la hauteur au garrot et sur la couleur de la robe. Ce cheval est l'exemple du type lusitanien d'il y a 20 ans. Et depuis, avec l'apparition des acheteurs étrangers, anglais, américains, allemands, il a fallu augmenter la taille des chevaux pour supporter ces grands hommes qui mesurent bien 50 cm de plus que les Portugais. «
Ce cheval a 3 ans. Il est le type parfait du cheval que l'on recherche aujourd'hui. Essentiellement à cause de sa couleur. Maintenant, malheureusement, on ne fait des chevaux que pour l'exportation. Et encore, il faut qu'ils aient un type particulier. Sinon, personne ne les achète. Si dans son élevage, Antonio a dû s'adapter aux exigences du marché, il a néanmoins tenu à conserver la lignée historique du Lusitanien. Car pour lui, la morphologie d'un cheval ne fait pas son âme. Essaye plusieurs allures. Trot, galop, pour voir laquelle est bien avec lui. Le cheval lusitanien est un cheval très docile. Il apprend facilement. Il est intelligent. Il a bon caractère. Et pour moi, c'est l'une des meilleures races de cheval. Bonjour. Étrangère? Oui, je suis française. Française? Oui. Ah! Oui. Mais en portugais, tu vas boire un café? Un café? Bah, ouais, je peux m'installer avec vous, oui. Alors. Bah, c'est sympa, merci. Moi, c'est Sophie. Sophie Pereira. Salut, Pereira. Hein? Paolo. 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 Eh bien, écoutez, merci. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans les rues de Faro. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le monde à la plage. Hein? À la plage? Ah oui. Où il fait trop chaud, ils restent dans leur maison, c'est ça? Exact. C'est un peu une capitale, Faro. Faro, c'est la capitale d'Algarve. Ouais. Ouais. Et la capitale du motocyclisme au Portugal. Ah oui. Explique-moi ça, comment ça se fait? Ici, en Faro, nous avons des motoclubs de Faro. Ouais. C'est un club qui est fondé en 1982. Mm-hmm. Il fait une grande concentration ici. Une grande concentration ici. Toutes les années, il vient tout le motard de parcs d'Europe et du monde, ouais. Ici. 25-30 000 personnes toutes les années. D'accord. Alors, ça a commencé comment, pour tous les deux, la passion de la moto? Depuis toujours, le concept de la moto, c'est la liberté, l'amitié et le goût du voyage. La passion de la moto représente tout ça pour nous. Et vous allez où, là, alors, maintenant, tous les deux? Maintenant, nous avons Cache-Marie. Ah, est-ce que c'est là où il y a la fête médiévale? J'ai entendu parler de la fête médiévale. Oui, très bien. C'est très joli. Ouais, c'est tu viens avec nous? Tu veux m'emmener sur ta moto? Ouais. Ok, d'accord. Bah, pas de problème. Ouais, okay. Vous acceptez les filles dans votre club? Oui. Bon, bah, ça va, alors. Non, c'est moi, obrigado, obrigado. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Alors. Je t'embrasse. Hein. Obrigado. Ouais. Et puis j'espère à bientôt. Adios. Adios. C'est très joli, ça. C'est de la félicité. De la félicité, d'accord. De la joie. C'est une
légende médiévale. D'accord. Et donc, c'est très important, non la couleur, oui. Mais ça. Oui, oui. Pour le vin. Oui. Pour trahir la bonne énergie. Ah, pour attirer la bonne énergie. Je vais vous en prendre un pour avoir de la chance. Obrigada. Muito obrigada. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Messieurs, à mon signal, allez-y. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Quel type de combat on peut voir? On fait essentiellement ici la reconstitution du 15e siècle. Des combats, de la lutte sur les chevaux, des démonstrations avec des armes. On s'inspire des livres de cavalerie. Nous sommes des acteurs amateurs. Mais on s'implique comme de vrais guerriers. Pour moi, c'est faire quelque chose de sérieux, mais en m'amusant quand même de temps en temps. Comme maintenant, quand on essaie d'évacuer cette adrénaline pour aller dîner tous ensemble. En fait, vous êtes tous un peu des grands enfants, non? Bonsoir tout le monde. Alors, comment dois-je vous appeler? Monsieur le maire, monsieur le président, vous êtes qui ce soir? Je suis un peu le président. D'accord. Okay. Pourquoi cette fête médiévale a lieu ici plus qu'ailleurs? L'idée, c'est de faire connaître Castro Marine et son importance, non seulement en Algarve, mais aussi au Portugal. Castro Marine a été une ville forte du pays. C'est ici qu'on a défendu les frontières. C'est ici qu'on a affirmé notre nationalité. Et en reconstituant le Moyen-Âge, nous sommes en train de redonner vie au souvenir du passé victorieux de Castro Marine. Ce que je trouve super, si vous me permettez l'expression, dans votre fête, c'est que tout le monde joue le jeu, tous les habitants du village participent à cette fête. Oui. Il n'y a qu'à Castro Marine qu'il est possible d'organiser une fête d'une telle envergure, grâce à la participation de toute la population. Qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Hein. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Il y a vraiment une ambiance comme ça. Mais bon, j'ai quand même envie de prendre un petit bol d'air frais. Alors, c'est ce qu'on va faire avec la Translaponie. C'est notre route mythique. Vous savez, les routes mythiques, ce sont ces carnets de voyage racontés à la première personne par des grands réalisateurs voyageurs. Et Philippe Allante est l'un d'entre eux. Alors, aujourd'hui, c'est le 3e épisode de son voyage. C'est un feuilleton que nous suivons depuis plusieurs semaines. Et il nous attend à Kirkenes. Et moi, je vous attends ici, hein, au Portugal. Vous revenez après. Hein. En quittant Inari, le cœur de l'âme Sami en Laponie, mon œil est attiré par une procession devant l'église. C'est jour de confirmation, et cela va retarder un peu mon départ vers le top nord de la Translaponie. Car après avoir parcouru plus de 1500 km depuis les bords de la mer Baltique, je m'apprête à rejoindre Kirkenes, sur les rivages de la mer de Barents.
Ensuite, il s'agira de remettre le cap plein sud à travers l'infini sauvage du Finnmark pour rejoindre Enontekio, la dernière étape avant la frontière suédoise. En attendant, pour accompagner sur le chemin de la foi les jeunes dinari, l'église affiche complet. Dans l'assemblée, si quelques personnes portent une tenue traditionnelle sami, le blanc reste de rigueur quand il s'agit de faire sa profession de foi. À cause d'évangélisation forcée entre le XVIIe et le XIXe siècle, toutes les formes de culte liées au chamanisme ont été réduites ici au silence. Mais pour Juha Leitinen, cette cérémonie n'a pas seulement une connotation religieuse. Elle marque aussi un tournant dans la vie de sa fille Rina. La confirmation est une grande fête pour ma fille. Cette cérémonie est pour elle très importante parce que c'est un grand pas dans la vie. Elle n'est plus ma petite fille maintenant. Cette entrée dans le monde des adultes, en portant joliment pour certaines une tenue traditionnelle, est le souvenir d'un temps où l'on vénérait le rouge, symbole du soleil, et le bleu, en hommage à la lune. Si les couleurs sami se portent toujours, qu'en est-il des traditions chamaniques? Pour trouver la piste d'une véritable chamane, avec un peu de patience, le bouche à oreille fonctionne. J'ai rendez-vous avec Armi. Employée dans un magasin de souvenirs et craignant de passer pour une illuminée, elle me donne rendez-vous au bout d'une piste, dans un refuge totalement vide. Il est 11h du soir, quand les premières vibrations du Nuritarumpu retentissent. La chaleur accentue la résonance du tambour. De renne, il est un instrument pour communiquer, pour soigner, mais avec un mode d'emploi exclusif. Ce tambour est un tambour personnel. Je ne peux pas le prêter. C'est un instrument unique que j'ai construit et préparé moi-même. Et quand je l'utilise, je fais appel à la terre, mère, au soleil, père, et au vent, Dieu. C'est à ce moment, en jouant, que les sons invitent les bons esprits. Armi ne souhaite pas être montrée du doigt comme une chamane. Elle préfère se définir simplement comme guérisseuse. Son ambition, c'est de soigner avec l'énergie des ondes de son tambour, mais aussi avec le fluide de ses mains en évitant toute publicité, car l'autre grande qualité d'Armi, c'est sa modestie. J'avais remarqué très jeune que j'avais un don pour soigner les maladies. Cela m'a fait peur. Je me suis posé des questions. Et si, par exemple, j'attrapais le mal de la personne que je soigne? Ou alors, est-ce que je pouvais transférer mes propres maladies aux personnes que je soigne quand je pose mes mains sur elles? J'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'en apprenne plus sur mon don pour bien soigner les gens. Armi a reçu l'initiation d'une ancienne chamane qui lui a enseigné les lois des énergies qui circulent dans la nature. En Laponie, ces dons sont surtout une affaire de transmission entre femmes, dont certaines sont aussi de grandes chanteuses de yok. Il y a parmi les chanteuses saami des styles de yok très différents, avec des interprétations très personnelles.
Il y a des chants de yok qui parlent de la nature. Le yok peut être une ambiance, mais aussi une atmosphère. Et ça peut être en même temps une chanson. La prohibition pendant près de 300 ans du chant traditionnel et des tambours aurait pu avoir définitivement raison de la tradition sami. Je repense aussi à la prescription de la guérisseuse, me conseillant de dormir davantage. Mais comment fermer l'œil quand les nuits sont aussi dorées? Comment ne pas rester émerveillé devant les reflets nocturnes sur la mer de Barents? Quand le soleil reprend son ascension, j'explore Kirkenes. Cette cité norvégienne de moins de 5000 habitants possède deux facettes. Côté pile, les mines de fer. Et côté face, un port en léthargie dont le réveil est programmé pour le début octobre. Ces murs de casiers seront embarqués sur d'énormes chalutiers norvégiens ou russes pour la campagne annuelle de pêche au king crab. Les crabes géants qui pullulent en proportions inquiétantes dans tous les fjords norvégiens. Brise légère, belle éclaircie, je réponds présent à l'appel du large proposé par Lars Peter Hoy. Ce spécialiste emmène en toute saison des amateurs de fraîcheur à la découverte des colonisateurs des profondeurs qui ne se sont pas retrouvés ici par hasard. C'est parce qu'en 1961, des scientifiques russes ont ramené ici quelques crabes. Pendant longtemps, personne n'a eu l'idée de les pêcher. Et puis, ils sont devenus très nombreux, et c'est seulement depuis 10 ans que les premières pêches ont véritablement débuté. Cet après-midi, les descendants de cette expérience scientifique hasardeuse pullulent à 20 mètres de profondeur. Lars Peter refait surface avec quelques beaux spécimens en main. Très vite, cela permet de faire connaissance avec cet envahisseur. Pourvu de 10 pinces, il dessine les coquilles Saint-Jacques et les oursins des fjords. Pesant en moyenne 3 à 4 kilos à taille adulte, il n'a pas de véritable prédateur à part l'homme. Après plus de 20 minutes passées dans une eau entre 8 et 6 degrés, Lars Peter est intarissable à propos de ses bêtes, sur le bateau comme à quai. Quand ils arrivent à l'air et quand ils sont exposés au soleil, les crabes sont presque paralysés. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont très puissants. Leurs pinces sont très fortes. Si vous mettez un doigt entre les deux, il peut facilement le couper. En fait, la plupart des crabes qui ont été trouvés aujourd'hui sont les crabes femelles. Là, en dessous, vous allez découvrir tous les œufs de l'année. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais au moins 300 à 400 000. Ici, en moyenne, les crabes pondent un demi-million d'œufs. Dans ces conditions, la densité n'est pas prête de diminuer, même s'il y a de plus en plus d'amateurs de king crab. Après ce festin qui demande beaucoup de doigté, il est temps de remettre pour la première fois cap vers le sud. Fini les successions de lacs et les lignes droites sans fin. La Translaponie entre dans le territoire des eaux très vives. C'est le plateau du Finnmark, la région la plus inhabitée de Finlande, qui est aussi le paradis des pêcheurs de saumon. Mais ici, entre fin juin et début juillet, ce bout du monde se transforme en vaste jardin d'Éden, luxuriant pour lilliputiens. Avec Nils Aslak Valkepaa, le chantre de la culture sami, les paysages prennent une résonance poétique. La toundra, comme un troupeau de rennes, ondule, se découpe sur le flux du ciel et les voix du vent.
D'autres courants d'air me guident vers Enon Tekyo, la ville de naissance du poète où réside aussi un sculpteur aux multiples facettes, Jaakko Pajanen. Après avoir travaillé comme charpentier pour des décors de cinéma, il s'est installé il y a 40 ans en Laponie sur un coup de cœur. Pendant la période des jours sans nuit, Jaakko affectionne la sculpture sur os d'élan. Mais la mythologie lapone stimule aussi son imagination. Je sculpte aussi sur bronze. Il y a des thèmes liés à la mythologie sami. Là, il y a le dieu du vent. Et puis là, vous avez le vent du tonnerre qui peut causer toutes sortes de nuisances aux hommes. Je fais beaucoup de bronze depuis 5 ans. L'humour poétique de Jaakko l'amène aussi à inventer des maisons pour devenir l'ami de nos pires ennemis, les moustiques. Mais ici, le travail d'un sculpteur, suivant les saisons, peut changer radicalement d'échelle. En hiver, je fais de plus grandes sculptures. Avec mon skidoo, je vais chercher de la glace sur le lac et ensuite je la dispose dans mon jardin ou sur les lieux où l'on m'a passé commande. Je réalise en général des sculptures d'aigle, de saumon. Parfois, je fais des ours, des lynx, des tétralyres, vraiment toutes sortes de sculptures. En fait, rien n'est impossible. Y compris un dromadaire en Laponie. Le Michel-Ange de la glace préfère la tronçonneuse en modèle XXL au burin. Cela ne l'empêche pas de finaliser ses œuvres éphémères avec l'air chaud d'un séchoir. C'est la technique du succès. L'hiver prochain, je ferai encore de nombreuses sculptures sur glace, dans plein d'endroits différents. Certains lieux me passent des commandes régulièrement. Peut-être qu'un jour, on m'invitera à Paris pour faire des sculptures sur glace, sur les Champs-Élysées. Il y a du tempérament latin chez cet homme-là, surtout quand il décide de pointer. Cette partie de pétanque, au-delà du cercle polaire, est le préambule à la découverte de son autre terrain de jeu et d'évasion, les Tunturi. Culminant entre 800 et 1200 mètres, ces monts sont des Édens du Grand Nord et le clocher des Enon Tekyo semble être un phare au milieu de cette immensité. L'autre activité qui a pignon sur route en se rapprochant de la frontière suédoise, c'est le vélo. Les cyclotouristes adorent ce parcours à travers une Laponie où les frontières finlandaises, norvégiennes et suédoises se touchent. Mais qu'est-ce qui motive ce vétéran polonais à se lancer dans une escapade de 1200 km à la force des mollets ? C'est ça que j'aime bien, cette végétation, cette temps, cette lumière. Il ne fait pas vraiment chaud. Je n'aime pas les moustiques. Janusz a quitté Kiruna il y a 3 jours, à 200 km de là. La cité construite au-dessus d'une colossale mine de fer sera notre première étape en Suède, sur cette route où chaque nuit, le soleil continue son récital entre les nuages. Voilà, bonjour. Ça va. Je viens pour découvrir avec toi la réserve de Ria Formosa. Ok, viens avec nous. Eh bien, écoute, super. Il est beau ce bateau, dis donc. C'est quoi ça comme type de bateau? C'est un bateau traditionnel de pêcheurs. On fait des balades dans ce bateau ici, de Parc naturel. Eh bien, je te suis alors. Ok.
Merci. Salut, capitaine. C'est toute une zone lagunaire ici qui s'est séparée par, par la mer par 5 îles et c'est la seconde zone plus importante ici pour les oiseaux aquatiques au Portugal. Nous avons 214 espèces ici au parc naturel. Tout le parc qui fait 60 km, c'est un petit peu une frontière naturelle? C'est comme une frontière naturelle ici. Il y a des zones que tous les gens peuvent aller, mais il y a aussi des zones qui sont toutes préservé, protégé, d'accord. Pour justement des conservations. Alors je vois qu'on passe juste en dessous des avions, parce que l'aéroport est pas loin. Et ça, pas tout loin. Ça, ce bruit-là, les bateaux, les avions, ça perturbe pas trop les oiseaux? Non, bon, un petit peu, mais l'aéroport a aussi des mesures pour minimiser l'impact que nous avons. Les gens qu'on a aperçus, le bord, c'est eux qui travaillent, qui ramassent les coquillages, c'est ça? C'est une des activités plus importantes ici dans le parc naturel, la zone de la Ria Formosa produit 60% de tout le coquillage qui est produit ici au Portugal. Donc les bons coquillages qu'on mange au Portugal, ils viennent souvent d'ici? Ils viennent d'ici, de la Ria Formosa. Nous sommes ici dans le parc naturel, à Quinta do Marim, dans le Riege. C'est un centre de récupération des animaux, des faune sauvage. De la faune sauvage, d'accord. Donc souvent, beaucoup, on emmène quoi, des oiseaux surtout? Surtout des oiseaux. Hola, Sophie. Salut, Fabien. Pardon. On est où là, exactement? Nous sommes dans la clinique. Là, nous soignons un grand-duc qui avait une aile fracturée. Malheureusement, nous avons dû lui en amputer une partie. Combien d'oiseaux vous avez à soigner? En général, 3 ou 4. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où on peut en recevoir jusqu'à 20 ou 30. Oui, ça peut être compliqué. Au cours des 9 derniers mois, le centre a soigné et libéré plus de 130 oiseaux. J'ai l'impression que c'est quand même un travail à plein temps, ici. Oui, et 7 jours sur 7, comme un vrai hôpital. Et toi, alors, pourquoi tu as eu envie de travailler ici? Parce que c'est une réelle activité de conservation au Portugal, qui implique et touche tout le monde. T'es pas content? Comment ça va? T'es pas content, hein? Ça va pas bien, hein? Il est magnifique, hein? Est-ce qu'on... ce que vous relâchez, est-ce qu'il y a un suivi un petit peu des espèces? Est-ce qu'on sait où, s'ils reviennent dans des phases de migration ou pas? Quand ils sont guéris, on leur met une bague numérotée pour pouvoir les identifier et connaître leur historique s'ils nous sont ramenés. Un, deux, trois. Avec la chaleur, ça sent pas très bon, hein, les sardines, là. Salut les cigognes. Qu'est-ce qu'elles avaient comme problème? Ce sont des jeunes cigognes tombées de leur nid. Salut les goélands! J'ai pas peur! Oh, ils sont pas si affamés que ça, hein! Il y a des sardines! À table! On peut la faire au vent. Ah oui! En fait, ils ont faim, en fait! D'accord! Thank you.
cœur de la réserve nationale de la Ria Formosa, se trouve une petite exploitation. Une entreprise à taille humaine qui produit ici un sel d'une rare qualité. On a l'habitude de dire que l'Algarve a le meilleur sel de mer traditionnel et la meilleure fleur de sel. Et bien sûr, je pense personnellement que c'est vrai. Car nous avons ici des conditions climatiques parfaites, avec un été long et sec. Et nous pouvons donc produire beaucoup de sel marin blanc, avec des méthodes traditionnelles. La culture du sel en Algarve n'est pas nouvelle. L'industrie de la pêche, qui était florissante au temps des Romains, avait besoin de beaucoup de sel pour conserver le poisson. C'est une technique qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Pas de machine. Et tout est basé sur le processus d'évaporation, le travail manuel et bien sûr le soleil et l'eau de mer. Tout le sel produit en Algarve ne l'est pas selon ses ancestrales méthodes. Beaucoup de salines utilisent des techniques mécaniques pour récolter, traiter, raffiner et blanchir le sel. L'entreprise d'Andrea a tenu, elle, à garder la main de l'homme sur toute sa chaîne de production. Une manière de pouvoir conserver toutes les propriétés du sel. Ici, nous sommes dans la phase de nettoyage du sel. Il faut retirer toutes les petites impuretés qui n'appartiennent pas au sel pour qu'ensuite il soit moulu et qu'il devienne complètement blanc, complètement pur. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Conditionné en sacs de 25 kg, le sel, gros, moyen ou fin, partira ensuite vers les marchés européens. Mais si le sel marin traditionnel se récolte en journée, il faut attendre la fin d'après-midi pour recueillir un véritable trésor, la fleur de sel. Le gros sel se ramasse au fond des bassins et la fleur de sel se forme à la surface. Cela fait une plaque, c'est vraiment le tout début de la formation du sel. La fleur de sel est moins salée que celui qui est au fond et ses propriétés sont vraiment différentes. Dans cette eau salée, toute l'eau douce doit s'évaporer pour que le sel commence sa cristallisation. Ici, les cristaux sont déjà assez gros pour que l'on puisse commencer à récolter. Même situés dans la réserve protégée de la Ria Formosa, les salines sont aujourd'hui menacées par la croissance rapide de la ville voisine, Tavira. Notre activité a très peu d'impact écologique. Nous pouvons aussi faire des visites guidées pour les touristes, des observations d'oiseaux en hiver. Nous ne polluons pas la nature et nous utilisons des techniques manuelles. En produisant ce sel de façon traditionnelle ou de la fleur de sel, nous contribuons, je pense, à la préservation des endroits comme celui-ci. Où sommes-nous, Carlos, ici ? Nous sommes à Arraial Ferreira Neto, où les habitants vivaient autrefois de la pêche au thon. C'était un village de pêcheurs très indépendant. Il y avait tout ce qu'il faut. Il ne manquait que l'eau courante et l'électricité. Et il y avait combien de familles qui vivaient ici ? 73 familles vivaient dans ces maisons, ce qui faisait à peu près 200 personnes. J'y suis resté jusqu'à mes 15 ans. J'ai vécu ici de 1958 à 1972. Alors, il y avait aussi une école, ici. Oui, j'ai passé toute ma primaire ici. D'accord. Ce sont les meilleures années de ma vie. Ah bon? Je vais vous montrer notre musée. On peut voir ici une maquette avec tout le processus de la pêche au thon pratiqué à l'époque. C'est mon père qui l'a réalisé. Il y avait de longs filets avec des portes.
Le ton entré par celle-ci, avancé jusque-là pour se retrouver ici. Les trop petits pouvaient ressortir par cette porte, mais les gros restaient emprisonnés. C'est là qu'ils étaient pêchés. Avant, on pêchait des thons allant jusqu'à plus de 300 kilos. De nos jours, les thons pèsent 20, 30, 40 kilos maximum. Il est bien loin le village de pêcheurs, hein, maintenant. Ah, exactement. Ouais. Exactement. Le village est devenu un complexe hôtelier. Toutes ces maisons de pêcheurs sont maintenant des chambres d'hôtel. Et beaucoup de pêcheurs se sont reconvertis dans le tourisme. Exactement. C'est une idée intéressante, car c'est du tourisme orienté vers la nature, à l'intérieur d'un parc naturel. C'est un tourisme responsable. Bon, on va reprendre notre bateau, nous, oui, Barbara. Je vais te montrer les cimetières des ancres. Le cimetière des ancres. Ouais. Ah oui, je suis très curieuse de voir ça. Merci, Carlos, de nous avoir fait découvrir cet ancien village de pêcheurs. De rien. C'était un plaisir. Ciao. Alors, on va la voir, cette île que tu voulais me montrer. Oui, c'est le cimetière d'encre. C'est le cimetière d'encre dans l'île de Tavira, ouais, dans la plage d'Ubriu. Une des zones bon, très jolies ici, ouais, de par naturel. Et ce sont les encres des pêcheurs de thon. Des pêcheurs de thon, oui. Vraiment un très beau décor, hein, un très bel endroit. Il y a presque quelque chose d'émouvant, je trouve, à être ici. C'est hein. un petit peu de magique ici. Ouais. Une des places plus jolies ici, oui, dans le parc naturel. C'est un endroit que tu aimes beaucoup. Tu aimes venir ici? Oui. Pourquoi toi, tu as choisi de vivre ici? Beaucoup de raisons, mais une région qui t'accueille ici, très gentille, des gens très gentils. C'est vrai. Et des paysages très divers que nous avons ici, de travailler dans un projet de tourisme dans la nature, ici au parc naturel. Et bon, et c'est un projet déjà avec quelques années. Qui a réussi. Ouais. Je crois que c'est. C'est ce que je suis venue chercher ici, tu vois. C'était le but de mon voyage, de rejoindre ce parc, de voir si la nature était toujours bien préservée ici dans la région. Et grâce à toi, j'ai pu constater que oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Napa. Pour m'avoir accompagné. Alors, comment on dit au revoir et à bientôt en portugais? Adios y até a próxima. Ben, adios et merci beaucoup. Obrigada. Obrigada. Moi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et faites de beaux voyages.